Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo sur le deuxième trimestre. Donc quand je vous ai laissé à la fin de mon premier trimestre, j'étais dans tous mes états. Clairement, j'étais hyper émue parce que comme je vous disais, c'était la première fois que je parlais bébé parce qu'il n'y avait que mes parents et les parents de Chris qui étaient au courant. Et du coup, et lui-même évidemment, mais du coup mes copines, etc., j'en parlais pas. Et donc ça m'avait fait vraiment très bizarre de parler autant bébé en une seule fois, entre guillemets. Et depuis, s'en est passé des choses. Donc, j'ai un petit tableau. Si jamais ça vous intéresse, il faudrait que je pense à vous le glisser quelque part, qui vous donne un peu les calendriers de grossesse. Donc, le deuxième trimestre, c'est de 16 SA à 28 SA. Donc, moi, actuellement, je termine ma 29e semaine d'aménorrhée. Donc, pour moi, il était temps de vous filmer ma vidéo sur le deuxième trimestre parce que j'aime bien la filmer à chaud, pour me rappeler un peu dans quel état j'étais à ce moment-là. Et c'est vrai que mon état est très 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 différent de la vidéo sur le premier trimestre, très différent, vous allez voir. Et d'ailleurs, merci pour tous vos messages, mais vous avez été incroyables, genre incroyables. C'est vraiment d'une empathie, d'une bienveillance, vous avez partagé mon bonheur avec moi, enfin c'était wouh! C'était vraiment beaucoup, c'était énorme, c'était magique quoi. Donc merci, merci et encore merci. Et sincèrement désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, ça me brise le cœur, mais j'ai tout lu. J'ai tout lu, promis. J'ai tout lu. Alors, je vous ai laissé très émotive à la fin du premier trimestre avec tous mes symptômes qui étaient partis, vous savez, au milieu du troisième mois. Et effectivement, avec le quatrième mois, petit à petit, en fait, mon énergie a continué de croître. Plus aucun symptôme, enfin vraiment, tout allait très bien. J'ai vécu un quatrième et un cinquième mois, j'ai envie de dire, comme sur des roulettes. Franchement, le pied quoi, la grossesse dans toute sa splendeur, le ventre qui commence à s'arrondir, qui commence à de plus en plus se voir. J'avais des grands moments de pêche intense où j'avais une énergie mais à déplacer des montagnes. Et quand même sur la fin du cinquième mois, j'avais des jours où c'était plus trop ça. Et le sixième mois pareil, c'est-à-dire que voilà, j'avais des jours de pêche, mais en contrepartie, j'avais des jours où j'étais au bout du rouleau. Les cernes jusqu'ici, une fatigue incommensurable. Enfin, c'est marrant de voir un petit peu ces montagnes russes de l'énergie. Et là, par exemple, je suis dans une semaine où c'est un peu difficile. En fait, il y a le retour de la chaleur à Montpellier, là, c'est bien... Puis bien moite, vous savez, temps marin et tout, là, on se régale. Et du coup, je suis un peu HS, et mais ça va, pour filmer cette vidéo, ça va aller. Au contraire, ça me donne la pêche, mais voilà, ouais, les dents aussi de... niveau de l'énergie, c'est un truc de fou. En termes de symptômes, je n'ai absolument rien eu de nouveau. Mes seins ne sont plus du tout douloureux. Ça, c'était parti, je crois, pareil, milieu du troisième mois. Là, vraiment, tout va bien. J'ai enfin trouvé des soutiens-gorge qui me vont. Je suis bien dans mon corps. Tout va bien. Pas de vergeture à signaler. Je fais attention à mes jambes. Parce que moi, j'ai tendance à avoir des petites veines qui pètent. Donc le soir, je me surélève les jambes au moins 10 minutes, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je veille aussi à nager régulièrement, donc ça c'est l'avantage d'avoir une piscine. Et je termine par un jet d'eau très froide sur mes jambes en fin de douche à chaque fois. Au début, je faisais que les demi-jambes, parce que je suis frileuse. Et maintenant qu'il fait très chaud, j'arrive à remonter jusqu'aux cuisses, jusqu'aux hanches. Donc ça, je veille vraiment à ça, et après, RAS quoi, vraiment, RAS, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire, pas de constipation, je le précise, parce que en fait, c'est assez drôle, mais à chaque fois que je voyais un médecin, c'était la question qu'il posait, vous avez des constipations en ce moment? J'étais là, tout va bien, donc tout va bien au niveau de mon transit, je n'ai pas de soucis, j'irais même que je vais plus souvent aux toilettes que d'habitude. D'ailleurs, en parlant d'aller aux toilettes, par contre, fin du deuxième trimestre, tu commences vraiment à avoir... en tout cas, moi, j'ai eu une sensation de vessie lourde qui ne me quitte pas. Alors, il faut savoir aussi que j'ai un fond d'infection urinaire qu'on a un peu du mal à me soigner. Donc, j'ai beau boire beaucoup d'eau, j'ai fait une prise d'antibiotiques. Et moi, ça me dérangeait de prendre des antibiotiques enceintes, mais bon... C'est fait pour, voilà, les médecins te donnent ce qu'il faut, mais voilà, ça m'embêtait. Et du coup, j'avais ce petit fond d'inconfort et toujours un petit peu cette lourdeur au niveau du bas du ventre, avec un besoin, bien évidemment, d'aller faire pipi toutes les heures, quoi. Franchement, c'est... T'as l'impression que tu passes tes journées à faire ça, clairement, mais bon, il paraît que c'est un des merveilleux symptômes de la grossesse et que tu peux pas y couper. Mais en revanche, la nuit,
plus rien. C'est-à-dire que j'arrive, moi je m'endors entre 22 et 23 heures et jusqu'au matin 7 heures, 7, 9 heures, ça dépend. Vraiment, voilà, je ne me lève plus la nuit pour faire pipi et ça, les gars. Oh, ça c'est quand même assez cool. En parlant de sommeil, je dors comme une masse. Franchement, mais je touche du bois, ça c'est pas du bois, c'est du faux truc, mais je touche de la peau de vieux singe. Je dors trop bien. Alors j'ai un peu de difficulté à m'endormir, mais ça, ça a toujours été mon cas, vraiment. J'ai toujours connu ça, j'ai toujours ce petit souci à mettre mon cerveau en off. Mais alors une fois que je suis lancée, je dors. Et jusqu'à il y a une semaine, je dormais, mais jusqu'à 9h du matin, quoi. Le truc qui m'arrive jamais. Moi, je suis quelqu'un qui est du matin, je me lève toujours assez tôt, entre 7h et 8h, alors que j'ai pas de contrainte de réveil, pas de contrainte d'horaire, je me lève toujours à ces heures-là. Et là, je traîne au lit, truc que je déteste faire. Non, là, je me retourne, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Je ne me reconnais pas, mais c'est trop bon. Et là, par contre, depuis une semaine, je sais pas, je me lève à 7h. 7h, je suis comme ça. Et j'entends tous les bruits de dehors, de machin, de trucs, et impossible de m'endormir. Mais ouais, donc trop de chance. Écoutez, pourvu que ça dure au troisième trimestre, surtout que le ventre commence à être encombrant, mais pour le moment, je dors trop bien. Quelque chose qui a mis très longtemps à arriver par rapport à mes connaissances ou aux gens autour de moi, c'est de sentir bébé bouger. Donc généralement, ça commence au quatrième mois. Moi, ça a commencé au début du cinquième mois, donc vers 20 SA. Ça a vraiment commencé très tard. Et encore, je vous dis 20 SA, c'était mais léger, mais tellement léger. Je sentais quasiment pas bébé, donc c'était un petit peu, alors c'est marrant, c'était un petit peu le soir et le matin, c'était trop chou. En fait, quand le réveil de Chris sonnait à 4h du matin, moi ça me réveille toujours un peu, après je me rendors, il n'y a pas de souci. Mais bébé se mettait à bouger, ça devait le faire sursauter également. Et moi je le voyais comme s'il disait à son père, « Bonne journée, papa, travaille bien à ce soir !» Enfin voilà, je faisais mes films et je trouvais ça tellement mignon et je me rendormais le sourire aux lèvres et j'étais « Ah !» Je trouvais ça trop chou, vraiment trop adorable. Et du coup, quand on a fait l'écho de la T2 du deuxième trimestre, eh bien, on m'a un peu mieux expliqué pourquoi je sentais si peu bébé bouger. C'est parce qu'apparemment, j'ai le placenta en avant et ce qui fait que ça amortit pas mal les coups. Et en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que là, depuis 3 semaines, donc 26 SA, 27 SA, 28 SA, je sens bébé bouger, mais un truc de malade en fait, c'est trop bien. C'est pas du tout douloureux pour le moment parce que je pense que j'ai toujours cette histoire de placenta qui amortit un peu les coups. Et c'est vrai que maintenant je le sens tout au long de la journée en fait. Et c'est ça qui est assez cool, c'est plus exclusivement ni le matin ou le soir. Je peux le sentir dans la voiture, des fois quand je suis debout à un rendez-vous, je suis là oh. Et des fois ça me perturbe dans mon activité, je fais oh. Et du coup c'est assez drôle parce que ça me coupe dans mon action parce que je me concentre après que sur ça et j'adore ça parce que vraiment c'est tout doux et il me fait 2-3 coups, 3-4 coups et après c'est tout quoi. À chaque fois, du coup c'est galère pour les autres autour de moi de pouvoir le sentir, donc ma mère a pu le sentir 2 fois et c'était assez magique et Chris arrive assez à le sentir et même à le voir parce que ça y est mon ventre commence... Là, en ce début de 7e, fin de 6e, moi, commence à voir mon ventre bouger, en fait. Et ça, c'est vraiment le plus drôle. Ça fait... Alors, au début, j'avais que des petits pocs. Ça faisait vraiment comme si, tu vois, à travers une membrane, quelqu'un faisait touc, touc, touc. Et maintenant, ça fait carrément des vagues. Et tu te demandes ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, je me dis, vous savez, comme les nageurs, quand ils arrivent au bout de la piscine, il faut une roulade pour se retourner. J'ai l'impression qu'il fait pareil dans mon ventre, qu'il fait une roulade pour se retourner. Et du coup, la bonne nouvelle de ce deuxième trimestre, c'est que Chris a pu venir assister à l'échographie, puisque comme vous le savez, il n'a pas pu venir à la première écho, celle qui est assez importante pour la trisomie 21, etc. Il avait pu venir à celle de datation où c'est un petit haricot et qu'on ne voit rien. Donc pour lui, c'était quasiment la première fois qu'il rencontrait bébé. Donc c'était hyper magique. Et jusque-là, nous ne savions toujours pas le sexe du bébé parce que je ne voulais pas de l'approximatif. En fait, j'ai déjà eu des connaissances où en cours de route, finalement, on leur a annoncé, par exemple, une fille. Et finalement c'est un garçon, ou un garçon finalement c'est une fille. Personnellement je n'avais aucune préférence, mais genre vraiment, je vous dis pas ça pour la forme parce qu'il vaut mieux que bébé soit en bonne santé et tout. Non non, c'est que vraiment je n'avais aucune préférence. Juste un truc, c'est que comme tu dis le bébé, que tu dis il, et que beaucoup 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 de filles dans mon entourage sont enceintes de garçons,
Vaguement, je me projetais sur un garçon, mais sans plus. Chris, pareil, n'avait pas de préférence non plus, mais simplement, voilà, on ne voulait pas se focaliser sur un sexe pour que 2 mois, 3 mois, 4 mois après, on nous annonce un autre sexe. Je trouvais ça un peu, voilà. Un peu ça, par contre, difficile, parce que tu te projettes dans quelque chose quoi qu'il arrive, et finalement ça change, et j'aime pas trop les choses qui changent. Donc nous attendions avec impatience cette échographie pour vraiment voilà, savoir enfin si c'est une fille ou un garçon. Et je voulais pas la prendre de manière un peu froide dans le cabinet de l'échographe, comme ça, avec le ventre à l'air, affalé sur la table et tout. J'avais envie d'un truc un peu plus sympa, un peu plus punchy, et du coup on l'a fait avec des fumigènes, donc je trouvais ça trop cool. Il y avait mes parents avec nous, il y avait un des témoins de Chris et tout, c'était trop cool. Au départ je devais le faire avec ma témoin. À moi, on avait repéré un lieu de shooting et tout. Et figurez-vous que je me souviens, le jour de cette écho, c'était un vendredi, c'était le matin, une tempête les gars, mais une tempête de l'espace, si bien qu'on pouvait pas faire de photos, on devait les faire le soir même avec la jolie lumière de fin de journée et tout. Et en fait on pouvait pas parce que avec ce vent, on n'aurait pas vu le fumigène en fait. Et il y avait tellement de vent que Chris est allé faire de la planche à voile ce jour-là, tellement les éléments se déchaînaient. Du coup lui il était trop refait, il a dit ouais bébé plus tard sera un windsurfer et tout, enfin il était trop content, il a dit c'est un signe. Bref, donc du coup j'ai dû ronger mon frein et on s'est dit on trouvera un moment dimanche puisque le week-end on fait les travaux. Et je vous avoue que c'était long quoi, j'étais là oui ben en fait je veux pas attendre, j'ai envie de savoir. Et du coup samedi après manger on a fait rapidement notre photo avec les fumigènes. Alors c'était un peu précipité, j'ai pas vraiment profité du moment parce qu'il fallait vite reprendre les travaux derrière, mais je suis quand même contente parce que c'était une jolie surprise. Et donc je peux enfin vous le dire et je peux arrêter de le cacher parce que je voulais être sûre que tous mes proches soient au courant d'abord, parce que c'est le genre de maladresse que je trouve un peu inacceptable. Nous attendons pour l'automne une petite fille. Oh mon dieu, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu la couleur rose du fumigène, j'étais genre ah. J'ai pas tout de suite réalisé, moi je suis un peu... J'ai un peu un temps de latence, moi je dois être un diesel, vous voyez, quand Chris il avait fait sa demande en mariage, il avait été un peu déçu parce que j'avais pas réagi sur le coup, et moi je mets beaucoup de temps à ce que ça monte au cerveau, je suis grande, hein, le temps que ça arrive des talons jusque là-haut, laisse tomber, et j'ai mis longtemps à réaliser, après au fur et à mesure, je me suis dit, punaise, une petite fille et tout, et bref, je commençais un peu à me projeter avec une petite fille, donc voilà, complètement fou, j'ai en fait juste l'impression de la connaître un peu plus, si vous voulez, d'un peu mieux faire connaissance avec la petite personne qui grandit dans ton ventre en fait. Pareil, ça aurait été un garçon, j'aurais eu l'impression aussi de faire davantage connaissance avec lui, mais du coup voilà, c'est trop cool. Si jamais vous vous demandez au niveau du prénom les gars, donnez-nous des idées de prénom en commentaire. c'est un peu compliqué, j'ai énormément travaillé avec des enfants. Et du coup, j'ai toujours une raison de ne pas aimer un prénom, c'est très difficile. Et généralement, tous les prénoms que j'aime, bah, ce sont mes proches. Donc je peux pas appeler mon enfant comme ma meilleure amie, comme ma cousine, c'est pas possible. Donc j'avoue qu'on est un peu coincé. Alors j'ai encore 2-3 petites choses à vous raconter au niveau des symptômes, je les avais notés. C'est, laisse tomber, les remontées gastriques de l'espace que je me tape. Mais en fait, je vous avais raconté un petit peu l'histoire de mon estomac. Si vous ne l'avez pas vu, ça se retrouve sur ma chaîne. Je pourrais peut-être essayer de penser à vous mettre le lien en barre d'infos, mais j'évite de trop promettre parce que des fois j'oublie. Mais ouais, moi j'ai toujours eu des soucis de remontées gastriques assez intenses que j'ai résolus en enlevant les laits animaux. Et là, deuxième trimestre, ça revient. Alors c'est pas très handicapant parce que j'ai tellement l'habitude que c'est pas grave en fait. Je ne fais rien, je ne prends aucun médicament. Mais c'est vrai que voilà, c'est là et tu fais oh, le matin tu te lèves et tu fais... Des fois je me réveille en toussant et tout, enfin bref. Voilà, c'est vraiment pas très agréable, mais j'ai l'habitude, donc c'est pas grave. Je préfère ça que la constipation, donc, ou que les hémorroïdes. Il y a aussi un truc que j'ai, mais... alors ça me l'a souvent fait quand je suis très fatiguée, et là, enceinte, donc au deuxième trimestre, ça me le fait vachement, c'est des démangeaisons. Alors, j'ai aucune plaque sur le corps, j'ai pas la peau sèche du tout, j'ai pas la peau croco, mais le soir, punaise, mais ça me gratte, quoi. C'est-à-dire que je me gratte ici, puis après ça me gratte là, puis après c'est le pied, puis après ça me gratte de partout le nez. Oh, et ça, mais c'est désagréable, parce que tu te relaxes pas, t'es tout le temps en train de gigoter, de te gratter. Puis bien sûr, ça te gratte à des endroits, genre au fin fond du dos, là où je suis pas du tout souple et où je peux pas aller me gratter. Enfin bref, c'est vraiment pénible, mais bon, c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je me suis remise à boire de l'eau. De l'eau et des infusions, j'ai enfin arrêté le jus de pomme. Donc ça y est, mon dégoût au niveau
au niveau des liquides est assez passé. Je n'irai pas jusqu'à boire une soupe et puis de toute façon il fait trop chaud. Mais je rebois des infusions chaudes le matin, donc ça c'est cool. Et j'ai plus besoin de jus de pomme pour pouvoir boire de l'eau, et ça aussi c'est cool parce que, en fait, au bout d'un moment je me suis forcée, j'ai arrêté toute seule. Même si j'avais encore du mal à boire de l'eau classique, parce que je me suis dit laisse tomber tout le sucre que tu te prends, même si je diluais au max, je ne buvais que ça toute la journée. Donc du coup maintenant, maintenant je suis contente de ne boire que de l'eau, bon, toujours du jus de pomme à l'apéro pour que ce soit plus festif, mais sinon je suis contente de rester sur de l'eau classique. Et sinon également ce deuxième trimestre, je suis un petit peu, il faut le dire, excusez-moi, je me touche tout le temps les cheveux mais je meurs de chaud, je suis un petit peu émotive, un petit peu, pas tout le temps, mais j'ai des pics où tu te sens submergée par ta vie et tu te mets à pleurer sans trop de raisons. Hein, à un moment par exemple j'avais un rendez-vous et quelque chose m'a mise en retard pour ce rendez-vous, donc je suis arrivée pile à l'heure et tout le trajet de la voiture j'avais envie de chialer. Parce que j'avais plus mon avance. Enfin, c'est ridicule. Il y a eu un moment aussi où Chris s'est rentré tout le carrelage tout seul, en pleine canicule, il faisait 35 degrés. Je dis n'importe quoi. Non, après une grosse journée de travail, et il était, c'est ça, moi j'étais dans le lit, déjà en train de me reposer. Il était quelque chose comme 21h et lui il se tapait les allers-retours pour monter le carrelage au premier étage. Et je vous jure, j'en ai pleuré en fait. J'en ai pleuré parce que moi je pouvais pas l'aider, parce que du coup, lui il met les bouchées doubles, rien que là d'en parler, j'ai un peu les larmes aux yeux. Lui il met les bouchées doubles pour pouvoir pallier au fait que je peux pas l'aider. Enfin, du coup, ça m'a fendu le cœur et j'en ai pleuré. Et il y a deux autres moments où j'ai pleuré également, c'est que je vous ai parlé d'une espèce de petite infection urinaire qui traîne. Et à un moment, le médecin, on partait en week-end, c'était un vendredi après-midi, un vendredi matin, et il voulait être sûr que je n'ai pas l'appendicite. Je sais pas pourquoi, il s'est dit que si j'avais peut-être ça, parce que j'avais mal un peu plus de ce côté, un peu de nausée, parce que la douleur me donnait des nausées. Et il m'a dit, écoutez, je veux être sûre, je ne veux pas partir en week-end, vous laisser comme ça. On fait une écho d'urgence, je veux être sûre que vous n'ayez pas une appendicite. Mais moi, sur le coup, je fais ok, pas de problème, je prends l'heure du rendez-vous et tout, pas de souci. Je rentre à la maison et Chris me dit alors comment ça s'est passé. Et là, je lui raconte et je me m'effondre, je me mets à pleurer, mais le gros chagrin quoi. J'étais là, mais comment, enceinte? Alors déjà, moi j'ai la phobie des opérations, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est un gros problème sur lequel j'essaye de travailler. Mais alors en plus, m'opérer enceinte, c'est-à-dire déjà m'opérer de l'appendicite, je pense que j'aurais pleuré. Mais alors savoir que je suis enceinte et qu'on peut m'opérer, qu'on peut aller chercher un truc qui potentiellement est à côté du bébé, enfin j'étais dans tous mes états. Mais puis je sais pas, c'est surtout le fait d'être devant Chris, je me suis vraiment effondrée. Après quand je suis allée à mon rendez-vous et tout, j'étais hyper... hyper stable, hyper... je me suis contenue, vous voyez. Mais c'est vrai que devant Chris, je me suis grave effondrée. Et il y a un autre moment aussi où le bébé ne bougeait plus trop. Madame, je ne sais pas ce qu'elle avait. Là, c'était la semaine dernière. Je la sentais plus. J'ai eu deux petits coups un soir et deux petits coups le lendemain matin. Mais c'est tout, quoi. Enfin, genre vraiment, poc, poc. Point barre. Alors que ça faisait 15 jours que c'était pompé l'œuf dans mon ventre. Et du coup, j'étais là... Du coup, j'appelle ma sage-femme et je fais... Oui, alors bon, je veux pas trop m'inquiéter, mais voilà ce qui se passe. Elle me dit, allongez-vous, buvez un truc chaud, mettez une bouillotte et tout, et attendez de voir. Donc c'est ce que je fais, quelques coups, rien de dingue. Donc je la tiens au courant, elle me dit, non mais venez, on va faire un monitoring. Et pareil, je reste très, très professionnelle, tout va bien, la crise arrive. Il rentre du boulot, il me dit, alors, ça va? Et il voit ma tête, et là je m'effondre, et pareil, je me mets à pleurer. Je dis, non, la sage-femme, elle veut que je fasse un monitoring et tout. Enfin bref, je pleurais. Et au final, au monitoring, il est apparu qu'elle bougeait très très bien, la coquine. C'est juste qu'elle avait dû se mettre, je sais pas comment, qui fait que je la sentais pas. En fait, sur le monitoring, tu l'entendais. Et tu la voyais bouger parce que ça vous fait un petit graphique comme ça pour celles qui n'en ont jamais fait. Monitoring, en fait, tu as deux capteurs sur le ventre. Un pour capter les mouvements du bébé et l'autre pour capter les contractions. Donc je n'ai pas de contraction, aucune, rien. De toute façon, je le savais parce que... Enfin, je pense que je les aurais sentis. J'ai discuté avec une copine tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle ne les sentait pas. Mais bon, que ça ressortait au monitoring, mais qu'elle ne les ressentait pas. Donc pas de contraction. Et par contre, voilà, on voyait, on entendait bébé bouger, mais moi, je ne la sentais pas. Genre, j'étais là, mais où est-ce qu'elle s'est mise? Et donc, passé cette grosse frayeur, le soir même, elle a bougé de nouveau, pompé l'œuf. Enfin bref, donc voilà, depuis, c'est toujours pompé l'œuf dans mon ventre, mais toujours très doux et par petits moments. Donc ça reste vraiment hyper supportable et hyper anecdotique, quoi.
Je vais terminer cette vidéo par une anecdote. Donc l'échographie de la T2 était juste magique, c'est trop bien. Tu vois ton bébé, tu vois comme il est beau, parce qu'à l'époque je ne savais pas encore si c'était un garçon ou une fille. Et donc elle te montre, elle te dit voilà l'estomac, bon, moi c'était une échographe, voilà là c'est l'estomac, là vous voyez c'est la vessie, là c'est les mains, regardez un doigt, deux, trois... 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, etc. L'autre main et les pieds. Et là, elle fait un orteil, deux orteils, trois. Et là, je me mets à rire. Mais les gars, le deuxième orteil, là, à côté du pouce, mais tellement plus long que le pouce, je ris et je dis, mais c'est quoi ce pied? Est-ce que vous avez vu ce pied? Et Chris, il dit, oh punaise, oui! Il dit, il a mes pieds! Parce que moi, j'ai pas du tout. Moi, j'ai mes pieds sont bien en décroissant, comme ça. Mais, et du coup, fou rire, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça tellement mignon. C'est anecdotique, hein. Mais j'ai trouvé ça tellement chou. J'étais là, oh, il a tes pieds. Il a les pieds de son papa. Donc, depuis, on dit, elle a les pieds de son papa. Mais, ouais, c'était trop mignon. Parce qu'après, sinon, un profil de bébé en échographie noir et blanc, ça ressemble à un autre profil de bébé en échographie noir et blanc. Je trouve que quand tu tapes écho sur internet, tout se ressemble. T'as l'impression que c'est ton bébé qui te ressemble trop et en fait, toutes les échos se ressemblent quand même pas mal. Mais là, le coup du pied, c'était extraordinaire. J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop drôle. Bon voilà, je m'arrête ici parce que j'ai l'impression que je suis déjà ce genre de maman gaga qui pourrait parler de leur enfant pendant des heures. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vous montrer mon ventre et puis aussi pour moi parce que ça me laisse de sacrés souvenirs à chaque fois. Donc là les gars, début du 7e mois, ça commence à être bien encombrant. Je peux vous le dire, j'ai hâte de vous parler du 3e trimestre. Mais c'est vrai que là, t'as de moins en moins d'abdos, clairement. Et du coup, tu commences un petit peu à te sortir du lit comme une femme enceinte. Comme un gros cachalot. Parce que je n'arrive plus à me projeter vers l'avant avec mes abdos. Je dois rouler sur le côté, m'agripper à quelque chose et m'extraire du lit. Littéralement, on en est là. Et ce, depuis quelques jours à peine. Donc je découvre ça et c'est assez drôle. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.